La parole est à Philippe Martin. Monsieur le Président, mes chers collègues, le président sortant nous a dit qu'il aimait la France. En repensant aux millions de chômeurs supplémentaires, je me disais qu'on avait échappé à beaucoup si en plus il n'avait pas aimé notre pays. Pour occulter son bilan, ou plutôt devrais-je dire son dépôt de bilan, le candidat de la manipulation s'invente des adversaires virtuels et fait colporter des rumeurs. La dernière en date, colportée par sa nouvelle porte-parole, est de faire craindre à la haute fonction publique de notre pays des risques en cas d'alternance. Mais mes chers collègues, on ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu. On nous avait promis, le président sortant l'avait dit, une République irréprochable. En réalité, ce quinquennat aura été le quinquennat des nominations de complaisance et des évictions de circonstances. On ne compte plus les magistrats du parquet nommés contre l'avis du CSM, à commencer par Philippe Courroy. On ne compte plus les préfets, les directeurs de la sécurité publique débarqués parce qu'ils n'ont pas su protéger une piscine d'un ami acteur en Corse, parce qu'ils n'ont pas su éloigner des manifestants à Saint-Lô, parce qu'ils n'ont pas su remettre le tout à l'égout dans le Var. Alors, mes amis, mes chers collègues, je voudrais vous dire les choses comme nous les ressentons. La haute fonction publique est une chance pour notre pays, dès lors qu'elle est à son service exclusif. Celui qui vous dit cela, mes chers collègues, a été un haut fonctionnaire jusqu'en 1995. Préfet des Landes, débarqué par Alain Juppé en une semaine, laissé au placard pendant 2 ans. Quand on veut monter au mat de cocagne, il faut avoir des chemises au pan blanc. Ça n'est pas votre Madame le porte-parole du gouvernement.